Oh. Bonjour tout le monde. Alors, on est quelques minutes en avance, il est 20h57. Ah, faut que je vous coupe parce que là je suis en train de m'entendre moi-même. Bonjour. Alors, on va commencer par quelques petits tests pour savoir si ça marche bien. Est-ce que vous, visiblement vous me voyez, puisque je vois vos commentaires qui arrivent déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, il y a déjà des gens qui veulent que je raconte une blague. Je vais vous raconter des blagues. Oui, ça marche bien le son, on entend, il y a une bonne qualité. Ouais, il y a plein de oui qui arrivent d'un seul coup. Alors il y a un petit décalage, je pense que c'est normal dans les lives. Moi, je dois voir ça avec environ 20 secondes de décalage par rapport à vous. Donc, bah super. On va commencer ce premier live. Je dois vous dire que j'ai mon petit cœur qui bat très vite au moment où j'ai appuyé pour la première fois sur lancer le live parce que c'est la première fois que je fais ça. Je suis tout excité à l'idée de faire ça. J'ai prévu tout un programme. Il n'est pas tout à fait 21h quand même. On va attendre que tout le monde arrive. Hop. Je vous ai prévu plein de petits trucs, des petites énigmes, des petits jeux, des petites réponses à ce qu'on a dit avant, un petit débrief de tout ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, pendant ce mois de célébration des 10 ans de Micmac. Ah, des gens disent qu'il y a le son que d'un côté, qu'on n'entend pas tout. Alors attendez, j'ai deux façons de mettre le son. Alors je vais faire un test. Je vais couper et je vais mettre le son d'une autre façon comme ça. Est-ce que cette deuxième façon d'entendre le son est meilleure pour vous ou pas? Dites-moi si c'est mieux ou si c'est moins bien ou si c'est pareil. Je vais encore attendre un petit peu. Oh là là, vous êtes déjà 1089. Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Alors, on garde ce son-là. Et l'image est très bien aussi, ça va. Alors, pour l'image, en fait, j'avais fait un petit test, mais ça, je pense que ça ne va pas vous plaire, parce que j'ai aussi mis une petite caméra derrière, ici, en me disant que, comme ça, si je marque des choses, j'ai prévu une ardoise et tout, si je marque des choses sur mon ardoise, vous allez pouvoir me voir sur la petite caméra de derrière, mais elle est un peu pourrie, je crois, donc peut-être on va y renoncer. J'essaye juste pour voir. Est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant comme ça? Alors, attendez, je vais écrire, hop. 1 plus 1 égale 2. Ouais, c'est pas terrible, hein. Peut-être je vais plutôt faire comme ça quand je veux écrire les choses. Hop, 1 plus 1 égale 2, je me décale ici. Alors 1 plus 1 égale 2. Vulgarisation. 1, 1, ça fait 2. Donc 1 plus 1 égale 2. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris ce qu'était une addition. Ok, c'est mieux de face, on va se passer complètement. C'est dommage, j'étais très content de mon petit truc technique là en me disant ouais, on va pouvoir, ça fait très comme un professionnel, tout ça, il y a des changements de plan et tout, mais en fait, il va falloir que je prenne une meilleure caméra pour derrière si je veux refaire ça sur d'autres lives. Bon, bah il est 21h. Alors, on lance ça vraiment pour de vrai. Alors, on va enlever ceci. Bienvenue à tout le monde, bienvenue dans ce tout premier live en direct de chez moi, en direct je suis descendu d'un cran par rapport aux vidéos où je suis debout. Là, je suis assis, comme ça. Vous voyez les étagères d'en dessous, qui d'ailleurs sont un peu plus en bazar. Je vous ai prévu pas mal de petits trucs pour cette vidéo des 10 ans. Cette 10e vidéo des 10 ans, en particulier un débrief des choses dont on a parlé dans les 9 précédentes vidéos. On va parler de cette opération avant l'addition. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu cette vidéo, je vous réexpliquerai rapidement le sujet. On va reparler aussi des ponts de Königsberg pour ceux qui ont vu la vidéo sur les maths avec les ballons. D'ailleurs, Léonard est toujours dans un coin là. Il a une petite santé, hein, Léonard. Hein, le ballon commence à se dégonfler un peu. Et puis quelques autres énigmes, quelques petites choses que je vous ai prévues. Alors déjà,
Je me suis dit un truc, c'est que pour faire des lives, je vais essayer de faire, si je veux en refaire régulièrement et essayer de lancer un truc avec, je ne sais pas, peut-être un live tous les, disons, 2 mois sur la chaîne. Je vais essayer de faire des choses avec des petites séquences qui vont revenir régulièrement et essayer de prévoir des lives pas trop longs, histoire que bah, quand je fais un live, vous savez qu'il n'y en a pas forcément pour 2-3 heures, parce que des fois, ça peut être un peu décourageant, je me dis, quand c'est un peu trop long. Alors au début, je m'étais dit peut-être des lives qui durent genre une demi-heure. Pour aujourd'hui, j'ai l'impression que vu ce que j'ai prévu, ça risque de déborder un peu. Mais enfin, pour le principe, je me suis dit, j'ai pris un sablier qui dure une demi-heure. Et donc, peut-être que, voilà, l'idée, ça va être d'avoir, j'achèterai peut-être un sablier qui dure plus longtemps pour une prochaine fois, si jamais vraiment je vois que je déborde beaucoup. L'idée, c'est je lance le sablier, et puis quand le sablier est fini, le live s'arrête. On va voir. On va voir. Je ne suis pas convaincu moi-même par ma propre règle, mais comme j'ai eu cette idée, et puis que j'ai le sablier maintenant, on va le faire quand même. Donc alors c'est parti, on lance le sablier. Et voilà. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est ce dont je vous ai parlé dans la vidéo d'il y a 6 jours. Je vous avais demandé de m'envoyer un certain nombre de... Ah, je vois des gens qui parlent de 42 encore, c'est justement de ça qu'on va parler maintenant. Je vous avais demandé de m'envoyer un certain nombre de mots, de concepts, des choses comme ça, pour que je vous fasse juste une petite séquence, vulgarisation express. Pas vraiment de la vulgarisation, mais juste vous me donner un concept de maths, et j'en parle pendant un certain temps. Alors, au début, quand j'avais imaginé ce concept, j'imaginais avoir un bocal et puis tirer au sort un truc au hasard parmi toutes vos idées. Seulement, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu difficile à mettre en place comme ça si je ne sais pas du tout de quoi je vais parler à l'avance. Ou alors, en tout cas, il faudra que je prépare un peu plus que 6 jours. Je n'ai pas eu le temps de bien tout voir. Il y a pas mal de mots qui sont revenus. Alors, il y a certains mots parfois qui étaient un peu compliqué à expliquer juste en quelques minutes. Il y a des gens qui m'ont parlé d'algèbre linéaire, de matrice, des choses comme ça. C'est des concepts qui sont vraiment intéressants, mais dont je ne me sens pas de parler en 3 minutes. Donc, je ferai certainement des vidéos là-dessus un jour, mais il faudra que ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, j'ai choisi pour cette séquence-là de vous parler de ce qui m'a été demandé le plus souvent dans ces commentaires. Donc, donnez-moi un concept mathématique et puis j'essayerai d'en parler. Et ce qui est revenu le plus souvent, eh bien, c'est le nombre 42, forcément. Je m'y attendais un peu, enfin, c'était prévisible, voilà. Mais donc, ce nombre 42, donc, je vais vous donner. Je vous ai prévu une petite énigme aussi que je vais donner juste après. Et je vais vous parler d'une suite de nombres dans laquelle apparaît ce nombre 42. Et cette suite de nombres, c'est ma suite de nombres préférée, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. C'est la suite des nombres de Catalan. J'écris très mal. Les nombres de Catalan, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une suite assez merveilleuse qui apparaît un peu partout en mathématiques. Et en particulier dans les triangulations de polygones, par exemple. C'est ce dont je vais vous parler dans un instant, mais c'est assez fascinant en mathématiques quand on a ce genre de concept. On a des domaines qui semblent avoir rien à voir les uns avec les autres, et puis à un moment donné, on a une suite de nombres qui apparaît dans un domaine, et puis une autre suite de nombres qui apparaît dans un autre domaine, puis encore dans un troisième domaine, une troisième suite de nombres, et puis en fait, ces suites de nombres, c'est les mêmes. Et souvent, quand ce genre de choses apparaît, eh bien, ça veut dire qu'il y a un lien caché entre les différents domaines qui semblaient n'avoir rien à voir les uns avec les autres. Et la suite de Catalan, c'est un peu la même chose que pour la suite de Fibonacci, qui est peut-être un peu plus célèbre, mais la suite de Catalan, c'est une de ces suites qui fait des passerelles entre différents domaines des mathématiques. Et donc, pour vous expliquer rapidement, quand on prend un polygone, donc par exemple un triangle, un carré, un pentagone, etc., eh bien, on peut le découper en plusieurs triangles. On peut faire ce qu'on appelle une triangulation. Et on peut compter de combien de façons différentes on peut faire une triangulation. Par exemple, si on prend un triangle, eh bien, on peut le découper en un triangle, puisque c'est déjà un triangle. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule façon de le trianguler en un triangle, bah, c'est de le garder exact, égal à lui-même. Alors, on pourrait aussi le découper en deux triangles, mais on va faire que les triangulations avec le minimum de triangles possible. Donc là, le minimum, c'est un triangle. Si ensuite, on prend un carré, comme ceci. Eh bien, cette fois, il y a deux façons de trianguler. On peut le trianguler soit comme ceci, soit comme cela. Et donc, oui, mes carrés ne sont pas tout à fait carrés. Je suis à peu près rectangulaire, mais enfin, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Donc, on peut le faire de deux façons différentes, découpé en deux triangles.
Et si on passe ensuite, donc là on avait trois côtés, quatre côtés, si on passe au pentagone, eh bien le pentagone, il y a cinq façons différentes de le faire. Donc voici une façon de trianguler un pentagone. En voici une autre. En fait, les cinq. Hop, ça n'arrive pas bien sur le sommet là. En fait, les cinq façons de trianguler un pentagone, c'est facile de les repérer. En fait, c'est toujours le même, mais juste tourné d'un cinquième de tour. C'est-à-dire que cette façon de trianguler, on peut la tourner d'un cinquième de tour, de deux cinquièmes de tour, de trois cinquièmes de tour, de quatre cinquièmes de tour. Et donc, on a nos cinq façons de trianguler. Vous pouvez réfléchir, il n'y en a pas d'autres. Donc là, il y en a cinq. Si au lieu de partir sur les pentagones, on part sur les hexagones, eh bien, avec les hexagones, je l'ai noté quelque part, il y a 14 façons de le trianguler. Vous pouvez essayer de les dénombrer. Et si on part sur les heptagones, je vais passer de l'autre côté. Donc les heptagones, je ne sais pas si je peux dessiner facilement un heptagone régulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici un heptagone à 7 côtés. Eh bien, il y a exactement 42 façons de trianguler un heptagone régulier. Donc voici une apparition du nombre 42 en mathématiques qui est assez étonnante et qui se retrouve donc dans cette suite de Catalan qui est applicable. Donc la suite de Catalan, c'est celle-ci, hein, c'est 1, 2, 5, 14, 42, puis on continue après avec l'octogone, le polygone à 9 côtés, à 10 côtés, à 11 côtés, à 12 côtés, à 13 côtés, etc. Et cette suite de nombres, eh bien, vous pourrez chercher par vous-même, j'en reparlerai peut-être plus longuement dans une autre vidéo, elle apparaît dans plein de domaines différents, autres que les triangulations de polygones. Alors sur le nombre 42, j'avais aussi trouvé une petite propriété un peu rigolote, c'est que 42, c'est égal à une addition de nombres consécutifs. 42, c'est 9 plus 10 plus 11 plus 12. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de si fascinant que ça, mais en fait, on peut continuer, c'est-à-dire après 12, on peut mettre égal. Après 12, il y a 13, donc on continue. 13 plus 14 plus 15. Donc en fait, c'est la somme d'un certain nombre de nombres consécutifs, donc de 9 à 12 ou de 13 à 15, mais en plus, les deux sommes se suivent, puisque après le 12, il y a le 13. Vous pouvez essayer de chercher d'autres nombres qui ont cette propriété-là, et bah, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas si facile. Donc c'est quand même une propriété assez spécifique au nombre 42 que celle-ci. Bien. Et maintenant, je regarde un petit peu vos retours. Oui, 42 est égal à 41 plus 1, c'est fascinant. Tiens, bravo. Et alors, maintenant, c'est à vous de travailler, puisque sur le nombre 42, je viens de vous présenter deux propriétés. Et je voulais vous poser une petite énigme avec ce nombre 42. Et la petite énigme, je l'ai quelque part, elle va arriver toute seule en bas de l'écran. La voici. Et je vais la laisser pendant tout le live et je donnerai la réponse à la fin. Vous avez une égalité, donc une multiplication. 42 fois un nombre à trois chiffres, hein, chaque tiret représente un chiffre. 42 fois un nombre à trois chiffres égale un nombre à quatre chiffres. Et en fait, il faut compléter cette égalité de façon à ce que dans cette égalité, chaque chiffre de 1 à 9 apparaisse exactement une fois. Donc vous pouvez vérifier, il y a 9 chiffres au total dans cette égalité. Donc il faut que le 1 apparaisse une fois, le 2 apparaisse une fois, etc. Alors le 4 et le 2, ils sont déjà, puisqu'il y a déjà le 42, donc vous n'avez pas besoin de placer le 4 et le 2. Mais il faut placer le 1, le 3, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et il faut bien entendu que l'égalité soit vraie. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Ouais, on est presque 2000 sur le live. 1952, là, en ce moment, quand je suis en train de regarder, ça continue de monter. Faut pas que je regarde trop ça parce que je vais flipper, sinon c'est. Alors, voilà pour cette petite énigme sur le nombre 42. Ensuite, alors la séquence suivante, normalement c'est une séquence qui va être un peu foireuse, mais c'est pas très grave. En fait, au début, j'avais prévu, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien jouer contre vous, c'est-à-dire prendre un jeu de société, un jeu de logique, un truc comme ça. Et puis, je joue un coup, et puis enfin un jeu qui se joue à deux normalement. Je joue un coup, et puis vous jouez un autre coup. Et puis je joue un, voilà comme ça. Et puis à la fin on voit qui c'est qui gagne. Et donc l'idée c'était, je me suis dit tiens je vais mettre en place un système de sondage comme ça les gens ils vont pouvoir voter, savoir exactement quel coup ils ont envie de jouer, puis on prendra le coup pour lequel les gens ont le plus voté. Seulement, comme j'ai préparé ce live un peu trop vite et que j'ai pas eu trop le temps de m'y faire, j'ai pas eu le temps de préparer le module de sondage. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Et alors,
Alors le jeu, donc en fait c'est plus pour faire un test. Je vous ai dit, hein, pour ces 10 ans de Micmac, je vais faire pas mal de tests. Et donc c'est un truc que j'ai envie d'essayer avec vous là ce soir. Et puis après on essaiera de faire ça sur des jeux un peu plus complexes, des jeux auxquels j'aime bien jouer, notamment le jeu de Hex. J'avais fait il y a longtemps une série de vidéos pour vous présenter le jeu de Hex. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissent. Ah, il y en a certains qui ont déjà trouvé la solution de la petite énigme, mais je laisse les autres chercher. Je donnerai de toute façon l'explication à la fin. Ouais, vous êtes plusieurs à l'avoir trouvé. Bravo, vous êtes très fort. Je suis fier de mon public. Donc le jeu auquel je voulais jouer, c'était juste pour tenter, pour voir si ça marche, pour voir ce qu'on peut faire, comment ça peut se préparer. C'est un jeu que vous connaissez tous, donc comme ça j'ai pas besoin de vous expliquer les règles du jeu. C'est un morpion. Mais l'idée c'est qu'il va falloir essayer de vous coordonner un peu. Mais un morpion sur 4 x 4 cases, comme ceci. Donc hop, je vais me décaler un peu comme ça. Donc en fait, vous allez jouer un coup, je vais jouer un coup, donc on va dire que vous prenez les croix, que je prends les ronds. Si ça vous va, je vous l'impose de toute façon. Ouais, plein de solutions. Alors, on va numéroter les cases pour qu'on sache exactement comment ça se passe, pour que vous sachiez dans quelle case jouer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et alors là, voilà, l'idéal, ça aurait été qu'il y ait un module de sondage où vous pouvez voter pour la case sur laquelle vous voulez jouer. Et là où ça risque d'être un peu compliqué, c'est que du coup, on va faire, vous notez dans les commentaires de la vidéo, donc dans le chat, le numéro de la case sur lequel vous voulez que je joue. Et je vais essayer de détecter à l'œil nu quel est le nombre qui revient le plus souvent. Peut-être je vais faire de temps en temps un peu preuve de mauvaise foi, c'est pas grave. Alors, il y a déjà des 7, des 2, des 6, des 6, des 6, des 6. Ah, il y a beaucoup de 6. 6, 7, 15, 10, 10, 6, 10, 11, 10, 10, 10. Ah, il y a beaucoup de 10. Beaucoup de 10, c'est pas mal de 6. Les 10 commencent à l'emporter. Les 10, 10, je vois des 10. Ouais, on va dire 10, il y a beaucoup de 10. Allez, donc vous avez joué 10. Donc, je vous mettais une croix ici. Alors, à moi de jouer. Allons-y. Alors, je vous préviens tout de suite, normalement, comme vous avez commencé, vous êtes censé gagner. Vous êtes censé gagner. On va bien voir si vous y arrivez, si vous jouez de façon parfaite, évidemment. Le plus dur, c'est pas forcément de jouer de façon parfaite pour un joueur individuel, mais c'est aussi de réussir à vous coordonner et d'éviter ma mauvaise foi, si jamais je vois que vous gagnez. Alors, moi, je vais mettre un rond ici en 11. À vous de jouer. Où voulez-vous jouer maintenant? Alors les gens qui répondent 10, c'est trop tard. Le 10 a été joué maintenant. Ah, il y a beaucoup de 6, des 9, des 7, des 1, des 4, des 42. Bien. Des 4, des 6. Ah, cette fois, il y a vraiment beaucoup de 6. Des beaucoup de 6 et beaucoup de 7. Ah non, il y a plus de 7. Il y a tout un défilement de 7 qui arrive. Alors on va jouer en 7. En 7. Ah là là, vous êtes trop fort. Normalement, là, je suis perdu. Alors je vais. Alors vous comprenez ce qui va se passer là. Il faut que vous en aligniez 3. Donc vous comprenez que je ne vais pas pouvoir vous bloquer éternellement. Là, je vais être assez rapidement arrivé à mes limites. Alors là, j'ai deux stratégies. Soit je vous bloque en 13 ou en 4. Et donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité de gagner au coup suivant. Soit je joue ailleurs, en espérant que comme vous n'allez pas réussir à vous mettre d'accord sur laquelle du 13 ou du 4 vous fait gagner, eh bien vous allez perdre en jouant ailleurs. C'est-à-dire sur j'essaye de parier sur le fait que l'intelligence collective va mal fonctionner. Allez, je vais jouer en 2. Juste pour vous embêter. C'est complètement idiot d'avoir joué en 2 d'ailleurs. Mais j'aurais pu jouer ailleurs. Et alors là, oh là là, vous êtes tous mis d'accord. Il n'y a personne qui joue le 13, sérieusement. Comment vous faites pour vous coordonner comme ça? Je vois que des 4. Ah si, il y a un 13. Il y a un 13, mais il y a quand même beaucoup de 4. Bon, bah vous avez gagné. Bravo. Voilà. C'était la séquence jeu de ce live Micmac.
Je suis pas totalement convaincu que c'était la séquence la plus passionnante, mais ça valait le coup d'être tenté. Et je pense que quand on fera ça avec d'autres jeux plus rigolos et avec un vrai système de sondage, ça pourrait être beaucoup plus amusant. En tout cas, je prévois ça. À vrai dire, pour tout vous dire, j'ai commencé à vraiment réfléchir à comment programmer pour un jeu de Hex. Et donc, c'est quelque chose que je devrais faire assez prochainement parce que je suis bien tenté. Donc voilà, je referai ça avec d'autres jeux de stratégie. Et donc, pour ceux qui veulent s'entraîner et qui ne connaissent pas le jeu de Hex, commencez à aller voir les règles et commencez à vous entraîner à ce jeu parce que prochainement, il y aura d'autres lives où je jouerai à ce jeu contre vous et vous aurez intérêt là cette fois à bien maîtriser les règles parce que je ne vous ferai aucun cadeau. Et je joue pas trop mal au jeu de Hex. Il y a des joueurs mieux que moi, je connais pas mal de grands joueurs qui jouent beaucoup mieux, mais j'ai quand même un peu d'entraînement, donc il faut que vous vous entraîniez un peu plus. Alors, ensuite, après le jeu, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah, j'avais prévu de vous parler donc de. Alors attendez, je vais vous chercher Léonard. Je reviens dans 2 secondes pour vous le montrer. Ah zut, je suis en train de faire tomber mon sablier en plus. Me revoilà. C'est pas très stable. Je vous avais dit, il est pas en grande forme, mais ça va lui faire plaisir de vous revoir un petit peu, Léonard. Il commence à avoir il a le caoutchouc un peu flasque. Alors oui, donc je vous avais lancé une petite énigme dans la vidéo sur les maths en ballon, avec effectivement cette démonstration que avec des ballons sculptés, il n'est pas possible de faire n'importe quoi, il n'est pas possible de faire n'importe quelle figure géométrique, c'est-à-dire qu'il y a certaines contraintes assez particulières, notamment là quand on a des nœuds ici, eh ben, il y a toujours un nombre pair de bulles qui partent de chaque nœud. Donc là par exemple sur ce nœud-là, il y a une, deux, trois, quatre bulles. Et puis je vous avais posé la question des ponts de Königsberg, les ponts de Königsberg qui était une question qui s'est posée au mathématicien suisse Leonhard Euler et qui se posait de la façon suivante. Hop, on va effacer ce jeu. Vous êtes 2107, c'est merveilleux. Les ponts de Königsberg, ça se présentait donc de la façon suivante. On est dans une ville avec deux rives, donc la ville de Königsberg, avec deux rives et donc une rivière au milieu. Et sur la rivière, il y a deux ponts, comme ceci. Et il y a deux îles. Je suis un peu fatigué. Il y a deux îles et chacune, les îles et les berges sont reliées par un certain nombre de ponts, comme ceci. Hop, hop. Alors je ne sais plus où sont. Il y a un endroit, il y a une des deux îles où il y a deux ponts de chaque côté, mais je ne sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci. Mais en tout cas, le problème est grosso modo celui-là. Donc un promeneur peut partir d'un endroit. Et le problème des ponts de Königsberg, c'était d'essayer de trouver un chemin. Donc une promenade dans la ville de Königsberg, dans laquelle on va passer par tous les ponts une fois et une seule. Donc par exemple, si on part de là, on peut essayer de partir dans cette direction, par exemple, puis on retraverse ici ce pont, et puis après on va aller traverser ce pont-là, et puis ce pont-là, et puis ce pont-là, et puis celui-ci. Et puis là, on arrive, on est bloqué parce qu'on ne peut plus partir par aucun pont, puisqu'on a déjà pris les trois qui partent de cette île-là, et on n'a pas essayé ce pont-là. On n'est pas passé par celui-ci, donc là, cette promenade ne marche pas. Et donc la question, c'est est-ce qu'il est possible de trouver une promenade dans la ville de Königsberg qui passe une fois et une seule par chacun des 7 ponts? Alors, quelle réponse avez-vous? Je regarde un peu dans les commentaires. Ah oui, Graf non de Lérien. Je vois des gens qui connaissent déjà un peu ça. Donc effectivement, un chemin comme celui-ci, pas comme celui que je viens de faire qui ne marche pas, mais dans le cas où on peut imaginer un chemin qui passe par tous les ponts sans repasser 2 fois par le même pont, eh bien on appelle ça un chemin eulérien du nom de Leonhard Euler. Et effectivement, ce graphe-là, cette configuration-là n'est pas eulérienne, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Eh bien, imaginons donc que par exemple le bonhomme part de ici. Ça veut dire qu'il doit passer un certain nombre de fois par cette île, par exemple. Et donc, s'il passe une fois par cette île, eh bien, ça veut dire qu'il va devoir y arriver par un pont et repartir par un autre pont. Donc, ça veut dire qu'il va utiliser deux ponts. Imaginons qu'il passe 2 fois par cette île et que ce n'est pas son point d'arrivée. Ça veut dire que il va utiliser 4 ponts. Il va utiliser deux ponts pour y venir et deux ponts pour en repartir.
Donc on a toujours un peu le même raisonnement que celui pour les ballons que je vous avais présenté dans la vidéo sur les ballons. C'est que si cette île n'est ni son point de départ ni son point d'arrivée, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y arrive, il en repart. Et donc ça veut dire qu'il doit y avoir un nombre pair de ponts qui partent de ce pont. Donc là, combien il y a de ponts qui partent de cette île? Donc là, combien il y a de ponts qui partent de cette île? Il y en a trois. Donc comme c'est un nombre impair, ça veut dire que cette île est forcément soit le point de départ, soit le point d'arrivée du chemin. Ça ne peut pas être un point juste auquel on passe sans y partir et sans y arriver. Donc le point de départ, il est forcément, le point de départ ou le point d'arrivée est forcément là. Ensuite, sur cette île, il y a cinq ponts qui partent. Et c'est aussi impair, donc ça veut dire que le point de départ ou le point d'arrivée est forcément là. Ensuite, sur cette berge, il y a un, deux, trois ponts qui partent, donc ça veut dire que le point de départ ou le point d'arrivée sont forcément là. Et ici, il y en a trois, donc c'est pareil, le point de départ et le point d'arrivée doivent forcément être là. Et là, vous voyez qu'il y a un peu une contradiction, c'est qu'il n'y a qu'un seul point de départ et un seul point d'arrivée. Et on a quatre endroits qui devraient nécessairement être soit le point de départ, soit le point d'arrivée. Et donc, forcément, bah, ça ne marche pas. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. On ne pourra pas trouver un chemin eulérien. Par contre, effectivement, il suffit d'enlever un pont. Si on enlève par exemple le pont entre les deux ici, bah là ici on tombe à 2, ici on tombe à 4. Donc là on a deux nombres pairs, donc c'est bon, ça marche. Et donc le point de départ et le point d'arrivée sont fixés, ça doit être forcément cette rive-là et cette rive-là. Et effectivement là si on essaye, on part de là, eh bien, on va y arriver très facilement hein, en faisant des zigzags comme ça par exemple. Et donc si vous enlevez n'importe lequel des sept ponts, ça marche, mais avec les sept ponts, ça ne marche pas. Donc voilà, ça fait partie de la théorie des graphes. C'est un des problèmes phares qui ont commencé la théorie des graphes. Et puis bah après la théorie des graphes, il y a des tas de choses passionnantes là-dessus. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, je ne crois pas avoir fait de vidéo encore sur la théorie des graphes. Mais ça fait aussi partie des choses dont il faudra que je vous parle un jour parce que il y a plein de choses fascinantes derrière tout ça. Sur les coloriages de graphes aussi, vous avez peut-être déjà entendu parler du théorème des quatre couleurs. Tiens, tenez, il y a un truc que j'avais pas prévu de vous en parler, mais je peux vous lancer un petit défi. Parce que ça me fait penser à ça. C'est un truc qui m'amusait. Moi, je faisais ça quand j'étais, que j'avais remarqué quand j'étais au lycée. Des fois, quand je m'ennuyais un peu en cours, je faisais des petits gribouillis comme ça sur mes feuilles de papier un peu au hasard. Et un jour, j'avais remarqué en faisant des gribouillis comme ça, sur ma feuille, je faisais des petits chemins comme ça au hasard, comme ça, hop, qui se croisaient. Et puis, je les faisais revenir au point de départ. Et je me suis rendu compte que quand on faisait ça, eh bien, c'était toujours possible de le colorier comme de colorier le dessin qui en résultait comme un échiquier. C'est-à-dire que là, si on colorie ça en noir, et puis on va colorier celui-ci en noir, et puis celui-ci en noir, enfin en bleu là, et puis les autres, on les laisse en blanc. Alors, quand je dis comme un échiquier, ça veut dire que les cases de la même couleur se touchent uniquement en diagonale. Mais on n'a jamais deux régions de la même couleur qui se touchent directement par une frontière. Et voilà, donc là, je ne sais pas si mon dessin est vraiment très clair. Là, vous voyez que chaque zone est soit en bleu, soit en blanc. Et vous ne trouverez jamais deux zones blanches qui sont l'une à côté de l'autre. Et vous ne trouverez jamais deux zones bleues qui sont l'une à côté de l'autre. Là, par exemple, vous avez une zone bleue, ben, autour, elle a une zone blanche ici, une zone blanche ici, une zone blanche ici. Là, vous avez une zone blanche, elle est entourée que par quatre zones bleues. Et en fait, si vous... Il y a des gens qui disent que c'est très beau. Peut-être que ce... Non. En fait, si on dessine ça d'une quelconque manière, si on dessine ce chemin d'une quelconque manière, je peux en dessiner un autre qui a rien à... qui lui ressemble... qui ressemble un peu à la même chose, comme ça, toujours avec le principe, on vient au point de départ. Celui-ci, vous pouvez essayer. Ah, non, vous ne le voyez pas bien. Celui-ci, vous pouvez essayer aussi. Eh bien, il est également possible de le colorier avec seulement deux couleurs, de façon à ce que deux cases de zones qui ont une frontière commune ne soient pas de la même couleur. Donc ça, c'est quelque chose. Bah, tenez, ça peut être le prochain défi auquel je répondrai dans le prochain live, dont je ne sais pas exactement quand il sera encore. Je ne suis pas sûr d'en faire en décembre, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien installer des lives un petit peu régulièrement. Donc peut-être qu'il sera en janvier le prochain live. Ce serait bien d'en faire un en janvier. Donc voilà. Quand on dessine une courbe qui se referme sur elle-même, elle délimite un certain nombre de régions et il est toujours possible de colorier ces régions en deux couleurs, de façon à ce que deux régions qui se touchent ne soient pas de la même couleur. Essayez de réfléchir à déjà si c'est vrai.
si ça marche vraiment toujours ou s'il y a des cas particuliers peut-être qui ne marchent pas, et essayer de comprendre pourquoi. C'est assez rigolo comme sujet. Enfin, voilà, c'est pour un matheux, c'est rigolo. Je ne sais pas si ça vous fait tous rire, mais pour un matheux, c'est rigolo. Bien. Alors, ensuite, j'avais prévu une petite séquence. Ah oui, j'avais prévu une petite séquence. Conseil de livre. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande aussi de temps en temps d'aller dans les commentaires. On me dit, dans les commentaires des vidéos, on me dit, tiens, j'aimerais bien lire un livre de maths, ou j'aimerais bien, est-ce qu'on pourrait approfondir tel ou tel sujet sur tel ou tel thème de la vidéo. Je me suis dit, tiens, si je faisais dans mon live une petite rubrique conseil de livre, en plus, ça va bientôt être, enfin, on va arriver au mois de décembre, ça va être Noël à la fin du mois. On veut une blague, il y a des gens qui veulent une blague. Oui, je vais vous raconter des blagues, j'ai prévu des livres de maths, de blagues de maths. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite séquence pour présenter quelques livres comme ça, puis peut-être je ferai ça régulièrement aussi dans mes prochains lives. Alors, ce sera peut-être pas toujours des livres, mais ça pourrait être aussi des conseils de jeu ou de, je sais pas, d'autres choses. Voilà. Si vous avez des idées de ce que je peux vous conseiller, il y a d'objets ou de ce qu'il y a. Si vous voyez des choses sur mes étagères et que vous avez envie que je vous en parle, que je vous dise ce que c'est, voilà, vous pouvez me le demander. Alors, donc en fait, je me suis dit, je ne vais pas présenter que des livres de maths, donc je vais faire une partie, présenter quelques livres qui parlent de maths, quelques livres qui parlent de sciences, mais pas de maths. Et quelques livres qui parlent pas de science, d'autres livres, voilà, d'autres livres de manière très générale. Et le premier que je voulais vous présenter, parce que justement, on me l'a pas mal demandé avec la blague, quand j'ai fait la vidéo sur la blague mathématique, vous vous êtes pas mal déchaîné dans les commentaires. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous exagérez un peu quand même, parce que la vidéo, dans les 24 heures qui ont suivi la mise en ligne de cette vidéo, c'est celle qui a fait le plus gros démarrage de la chaîne Micmath de tous les temps. Alors, on s'embête à faire des contenus intelligents et tout ça, des maths, et puis voilà, on raconte une blague, et tout de suite, 50 000 vues en 24 heures, je crois, c'est totalement pas raisonnable. Alors, je me suis dit, puisque ça vous plaît bien, voici un livre qui rassemble toutes sortes de blagues mathématiques qui a été publié il y a combien de temps? Alors, c'est un recueil en fait, hein, c'est-à-dire que l'auteur n'a pas inventé ces blagues, mais c'est un recueil de blagues qui traînent depuis très longtemps. Hein, c'est-à-dire dans les milieux mathématiciens, il y a des blagues qui se promènent de laboratoire en laboratoire, d'université en université, de classe prépa en classe prépa. Il date de 2011, ce livre. Et donc voilà, ça c'est un recueil de blagues un peu dans le style de celle que je vous ai présentée, c'est-à-dire que soit vous êtes déjà un peu matheux et donc vous allez comprendre les blagues, soit vous n'êtes pas trop matheux et dans ce cas-là c'est un peu de l'art abstrait, quoi. Je ne sais pas si je conseille ce livre en fait aux gens qui sont pas matheux, parce que, alors attendez que je regarde, alors il y a une page où il y a des devinettes par exemple. Alors. Pourquoi ne faut-il jamais raconter de secret à un corps? Parce qu'il ne tait rien. Alors, je sais pas si je l'explique, je vais pas tout vous expliquer à chaque fois quand même. Si, en fait, parce qu'il ne tait rien, parce que ne tait rien, parce que, en fait, Emmy Noether est une mathématicienne qui a pas mal étudié les structures algébriques, et donc il y a certaines structures algébriques qui s'appellent des structures algébriques noethériennes, du nom de Emmy Noether. Et donc, il ne tait rien, et ne tait rien. Je sais pas pourquoi je fais ça dans ce live. Ah, celle-ci, elle est plus compréhensible pour des gens. Elle est niveau primaire, on peut la comprendre, celle-ci. Donc c'est bien, mais c'est plutôt rare dans ce livre, les blagues niveau primaire qu'on peut comprendre. Quelle est la différence entre un diamètre et un rayon? Je ne sais pas, peut-être certains l'ont fait. Il y a des gens qui disent, j'ai rien compris. Quelle est la différence entre un diamètre et un rayon? Un rayon. C'est un concept. Voilà. Donc, si vous aimez les blagues de Matheux, eh ben voilà. Ça peut vous intéresser, sachant que, éventuellement, mais même quand vous êtes vraiment Matheux, parce qu'il y a certaines blagues qui sont vraiment en plus très spécialisées dans un domaine particulier des mathématiques. Donc, même quand vous êtes mathématicien, parfois il y en a certaines, il faut aller demander aux collègues pour comprendre. Hein. C'est bon, mais bref. Sinon, dans le genre blague. Mais là, pour le coup, plus compréhensible, ça, c'est un livre qui date d'il y a un peu plus longtemps.
qui est la bataille. Vous connaissez peut-être le chat de Gellucq, voilà les bandes dessinées. Et en fait, il se trouve que dans ces bandes dessinées du chat, il y a pas mal de gags qui sont basés sur des principes un peu logiques, mathématiques, un peu qui font réfléchir sur des nombres ou des choses comme ça. Et donc, Daniel Justins, qui est un mathématicien belge, a publié un recueil de tous des gags du mathématique qui sont des gags du chat qui sont des gags mathématiques. Donc ouais, vous avez à l'intérieur les différents gags du chat, et puis avec à chaque fois des textes explicatifs qui vous racontent ce que ça inspire, je sais pas si vous voyez bien, ce que ça inspire à un mathématicien, ces gags et les différents concepts mathématiques. Donc c'est une sorte de vulgarisation en même temps, ça présente certains concepts mathématiques à partir des gags du chat. Donc voilà, ça c'est probablement plus accessible pour un grand public si vous voulez des choses sur d'humour mathématique. Ensuite, il nous reste 30 secondes là pour finir le live. Hein. Ça va pas, on va déborder, on va déborder. Ensuite, je voulais vous parler de ce livre qui lui vient juste de sortir. Il vient de sortir il y a un mois, je crois, quelque chose comme ça. C'est Toutes les mathématiques du monde par Hervé Lenning. Ça, c'est un livre qui raconte toutes sortes de mathématiques, qui raconte en même temps l'histoire des mathématiques et toutes sortes de concepts, de tous les concepts des mathématiques, les grandes théories, les petites histoires, les choses comme ça. Et en fait, c'est un livre que je trouve très bien parce que pour continuer, il y a une question qu'on me pose aussi souvent, parce que vous savez que j'ai moi-même publié il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, il est sorti le 2 novembre de l'année dernière, un livre qui s'appelle Le Grand Roman des Maths, et qui était un livre un peu plus court, c'est-à-dire que j'avais pas mal taillé dans ce livre, parce que je voulais essayer d'en faire un livre le plus grand public possible, donc j'avais pas mal taillé de choses à l'intérieur, et j'avais pas parlé forcément de tout ce dont j'aurais aimé parler dans l'absolu, pour que ce soit vraiment le plus fluide et le plus raconté possible, et que ce soit le plus facile possible à lire pour tout le monde. Et il y a des fois des gens qui me demandent, mais du coup ça nous donne envie, et on a envie d'aller plus loin. Ce livre d'Hervé Lenning, il est un peu plus gros, hein, il fait 430 pages à peu près. Et c'est un livre de vulgarisation aussi. Donc si vous avez compris le grand roman des maths, il n'y a pas de souci. Hein, il s'adresse à un grand public. Mais pour un grand public qui a envie de lire quelque chose de plus gros et qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de mieux comprendre certaines choses, il y a pas mal de sujets dont moi, je n'ai pas parlé et forcément dont il est question là-dedans. Voilà, vous avez voilà, les tours de Hanoï. C'est très illustré. Il y a plein d'images aussi. C'est très joli. Les tours de Hanoï, donc dont je parle là, c'est un jeu mathématique assez célèbre, le Taquin. Donc, il y a des choses sur les jeux mathématiques, il y a des choses là, je vois, sur les origamis, sur les défis du millénaire, donc les grands problèmes mathématiques non résolus de notre époque, sur les décimales de pi, sur les courbes, sur les attracteurs de Lorentz, la théorie du chaos, ce genre de choses. Sur la numération en Mésopotamie. Donc vous allez retrouver un certain nombre de choses qu'il y avait dans le grand roman des maths. Mais voilà. Et alors c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je dis souvent. C'est qu'on a tendance parfois à penser que les mathématiques, c'est quelque chose d'unique, c'est-à-dire ça existe d'une façon. Et puis voilà, il n'y a pas 50 façons d'expliquer le théorème de Pythagore. Eh bien c'est faux en fait. Les mathématiciens, les gens qui font des maths, ont leur style propre, ont leur propre façon de penser les concepts mathématiques. Il n'y a pas qu'une seule façon arrêtée de penser tel concept. C'est pas parce que c'est des maths que c'est absolument figé, arrêté. Et donc même sur les choses. Sur les choses qu'on connaît déjà, même sur les choses, les concepts qui existent, qu'on a déjà lus ailleurs et pour lesquels on a l'impression qu'on va rien apprendre, eh bien en fait, c'est quand même présenté d'une manière différente et c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents et des approches différentes d'un même sujet. Et donc voilà, celui-ci à trouver sous le sapin de Noël, il est très bien. Donc toutes les mathématiques du monde par Hervé Lenning. Ensuite. Donc là, j'ai fini avec les livres qui parlent de maths à proprement parler. Donc maintenant, on passe à la catégorie livres de sciences, mais pas maths. Et je voulais commencer par celui-ci. L'harmonie secrète de l'univers par Jean-Philippe Usan. Jean-Philippe Usan, qui est un astrophysicien, cosmologiste, je ne sais pas exactement comment il se définit lui-même. Il travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, il est directeur de recherche CNRS.
Et donc, il écrit ce livre-là pour mêler, disons, deux de ses passions, à savoir l'astronomie et la musique. Et moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal changé ma vision des choses sur l'univers, parce que c'est vrai que des fois, on lit des articles, on voit des choses sur les liens entre... c'est parfois un peu à la mode des liens entre les sciences et les arts, donc liens entre astronomie et musique là. Mais j'ai vraiment découvert à quel point, en fait, ce lien entre astronomie et musique, eh bien, il est profond. C'est-à-dire qu'il n'est pas si artificiel que ce que j'aurais pu penser avant de commencer à lire le livre. Et puis surtout, historiquement, il existe depuis vraiment très longtemps. C'est-à-dire que vraiment, il y a des théories d'astronomie qui se sont développées sur des considérations musicales, et puis des théories musicales, au contraire, qui se sont développées pour répondre à des idées d'astrophysique, notamment des grands débats comme est-ce que les planètes font du son, est-ce qu'il y a un son dans l'univers, c'est-à-dire qu'on voyait les planètes se déplacer sur leur trajectoire, est-ce que en tournant, les planètes produisent un son du simple fait qu'elles sont en mouvement, et alors si elles produisent un son, pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas, et si on pouvait les entendre, à quoi ça ressemblerait, et puis voilà, toutes sortes de choses entre les liens. Entre ces deux disciplines qui sont vraiment fascinantes, parce que voilà, tout ce qui peut vibrer dans l'univers d'une certaine manière produit un son, enfin produit un son, ou en tout cas peut s'analyser en termes de son. Alors, ce qui peut parfois être un peu frustrant avec ce livre, c'est que effectivement, entendre parler de musique sans pouvoir l'entendre, on peut se dire, il nous manque quelque chose, il nous manque un sens, mais il y a beaucoup de liens, donc ce qui est intéressant de le lire en ayant à côté, en pouvant aller voir les liens pour entendre les musiques en même temps dont il parle. Donc voilà, quand on a des phénomènes qui vibrent dans l'univers, ça produit, on peut récolter cette, on peut récolter les vibrations qui nous proviennent de l'univers et puis les transposer en son et écouter ces sons. Et voilà, donc c'est un livre qui est absolument passionnant. Et je vous le conseille. Le suivant. Ah. Le suivant, c'est de quelqu'un que vous connaissez sans doute déjà. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas bien. Enfin, c'est pas grave, mais c'est pas bien parce qu'il faut quand même le connaître. Il parle de biologie sur Internet. Vous connaissez sans doute Léo Grasset, Dirty Biology. Et celui-ci, je viens de le terminer il y a 2 jours. Et il est super bien. Donc de Léo et Colas Grasset, les deux frères. Et donc voilà, ça parle de l'apparition du sexe, de ce que c'est le sexe dans la nature, avec tous les animaux qui se reproduisent de plein de façons différentes, avec plein d'anecdotes. En fait, vous retrouvez vraiment le style de Léo Grasset dans sa chaîne Dirty Biology. Voilà, plein d'anecdotes, plein de choses. À chaque page, on se dit, waouh, c'est étonnant. On découvre, on n'imagine pas. C'est-à-dire que, en fait, ça fait partie de ces choses, la diversité de la nature. Ça fait partie d'une manière générale, que ce soit quand on parle de reproduction ou qu'on parle d'autres choses. La diversité de la nature, c'est des choses, on sait à l'avance que c'est très divers, qu'on trouve plein de choses dans la nature, mais quand on nous raconte vraiment les anecdotes et quand on nous raconte un peu tout ce qui existe, on se dit, ah ouais, il y a vraiment beaucoup de choses, mais encore plus que tout ce que j'avais imaginé avant. Donc voilà, vous avez des histoires de guêpes qui se reproduisent dans des figues, de poissons qui changent de sexe, des choses comme ça, des coquillages qui changent de sexe aussi, qui font des... Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'anecdotes, c'est très instructif et puis c'est très amusant à lire, donc voilà, je vous le conseille également. Et on va passer. Et puis je me dis, est-ce que ça peut vous intéresser que je parle d'autres choses que de maths de temps en temps, ou quand j'en parle des fois sur les réseaux sociaux, des fois L'Art de la guerre 2, donc c'est un roman qui raconte des épisodes biographiques de sa vie et qui les raconte formidablement bien avec un style très particulier, un style à elle, qui avec voilà, elle fait des associations d'idées très étranges, très bizarres, qui font que quand on lit ça, c'est très plaisant, ça va à toute vitesse. Moi je me rappelle quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, wow, ce premier chapitre est formidable, mais elle va pas tenir le rythme comme ça pendant tous les chapitres, tellement ça fuse d'idées, tellement toutes les phrases contiennent une idée incroyable. Des fois, quand on écrit un livre, on se dit, des fois on trouve des phrases qui sont chouettes, on se dit, ah, je suis content d'avoir trouvé cette phrase, puis des fois il y a des passages qui sont un peu plats. Et ben là, on a l'impression que toutes les phrases sont formidables et toutes les phrases sont des phrases pour lesquelles on se dit, oh, cette phrase est vraiment bien trouvée.
Et puis donc voilà, donc quand j'ai fini le premier chapitre, je me suis dit, elle va pas tenir comme ça jusqu'à la fin. Et ben en fait, si, elle tient comme ça jusqu'à la fin. Donc voilà, ça commence, elle parle de. Donc au début, elle est enfant, et puis ça avance, il y a l'adolescence, il y a le passage à l'âge adulte, des passages un peu essentiels quand on grandit, quand on construit une vie. Voilà, et alors elle a fait aussi, elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle a notamment traduit un des chapitres du livre en vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo après le live. Là, je vais pas le faire en direct, ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, je vous mettrai le lien et donc vous pourrez aller voir et vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Et puis il y a aussi des vidéos, je vous mettrai un peu tout. Il y a des vidéos où elle lit des passages du livre. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir pour voir à quoi ressemble son style assez fabuleux. C'est un livre vraiment qui parle. En fait, je serais curieux de savoir, parce que ça, c'est un livre qui est très, disons, générationnel, je sais pas. C'est-à-dire que forcément, ça raconte un peu des choses qui nous parlent aux gens qui ont à peu près mon âge. Notre génération, je ne sais pas quel âge vous avez, les gens qui êtes en train de me regarder là, vous êtes environ 2000, donc 1833. Donc voilà, je ne sais pas exactement, mais disons, entre 25 et 35 ans, ça va forcément rappeler pas mal de choses, mais j'imagine que ça peut quand même être aussi très intéressant pour les autres, parce que voilà, quand on parle de manière un peu universelle, ça, même si on n'a pas vécu ces épisodes particuliers, ça parle quand même. Donc voilà, je vous le recommande, L'Art de la guerre 2 par Sophie-Marie Laroui. Et voilà pour la rubrique livre. Et le sablier est définitivement complètement terminé. Normalement, on devrait s'arrêter maintenant. Ça fait 43 minutes que le live a. Ah, vous êtes tous en train de me donner vos âges. Alors que je regarde ça. 17, 40, 19, 17, 18, 21, 14, 12, 53, 17, 35, 207 ans. Bravo, monsieur. 11 ans, 42 ans. Ok. Ah, c'est chouette de voir ça. Bon, alors, on passe à la suite. Et on passe à la dernière séquence, de ce live, avant de nous quitter avant un prochain live et puis avant de prochaines vidéos. D'ailleurs, je tiens à vous dire tout de suite parce qu'il y a des gens qui m'ont dit à un moment donné, c'est dommage de ne pas faire de vidéos pendant plusieurs mois et puis d'un seul coup de faire plein de vidéos d'un coup au mois de novembre. On aurait préféré que ce soit plus étalé. Si j'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs mois avant, c'est juste parce que je faisais d'autres choses, que j'étais occupé, que j'avais pas vraiment le temps de me poser pour faire de vidéos. Mais c'est pas le fait que j'étais en train de préparer ce mois spécial qui fait que j'ai pas fait de vidéo avant. C'est juste que là, pendant ce mois spécial, en fait, là c'est quelque chose qu'on m'a demandé aussi. J'ai pas spécialement préparé beaucoup à l'avance. C'est-à-dire que j'avais quelques idées qui me tournaient dans la tête depuis un petit moment en me disant ce serait sympa de faire des vidéos sur tel sujet, sur tel sujet. Notamment, voilà, les différents thèmes, les différents concepts que j'ai pu un peu essayer pendant ce mois de novembre. Mais à chaque fois, toutes les vidéos que vous avez vues pendant ce mois, je les ai tournées et faites dans les 3 jours qui ont précédé le moment où je les ai mises en ligne. C'est-à-dire que ce n'est pas des vidéos que je prépare depuis des mois et que d'un seul coup, je mets en ligne toutes sur un seul mois. Donc voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, a priori, je vais quand même avoir plus de temps dans les temps qui viennent. Donc, je ne vais pas continuer au rythme de une vidéo tous les 3 jours parce que je dois avouer quand même qu'au bout d'un moment, ça fatigue un peu. Mais il va y avoir quand même. Enfin, il ne va pas falloir attendre encore 6 mois avant d'avoir d'autres vidéos. Il y aura des vidéos, il y aura au moins 2 vidéos au mois de décembre, et puis il y aura des vidéos au mois de janvier, au mois de février. Donc voilà, ça continue, et il ne va pas y avoir pour le moment, dans les mois qui viennent, de trous aussi grands que ceux qui ont été avant ce mois de novembre. Donc, dernière séquence, c'était le débrief de ce fameux sujet que je vous ai posé sur l'opération avant l'addition. Et c'est le moment où je ressors mon ardoise, où j'efface mon petit sujet de tout à l'heure. Vous allez chercher là-dessus. De toute façon, je vous le reposerai d'une autre manière, je ne sais pas encore, mais je vous en reparlerai de ce sujet. Alors, dans cette vidéo, je vous proposais de réfléchir à une opération qui viendrait avant l'addition. Donc en fait, ce que j'expliquais dans cette vidéo, je vous refais un petit débrief pour tous ceux qui ne l'ont pas forcément vu. On a une opération, l'opération de base, qui est l'addition, qui se note avec un plus. Puis ensuite, on a une opération qui est la multiplication. Et en fait, une multiplication, c'est une répétition d'addition. Si on considère avec des nombres entiers, par exemple, si on fait 3 fois 5, eh bien 3 fois 5, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3. Plus 3. Donc c'est une répétition, c'est-à-dire qu'on a le nombre 3 qui apparaît 5 fois.
dans cette opération. Donc en répétant plusieurs fois la même addition, on a une multiplication. Et puis ensuite, si on répète plusieurs fois la multiplication, eh bien on a la puissance qu'on note parfois avec un petit chapeau comme ça. Et donc si on fait 5, non, 3, oui, 3 puissance 5, ou alors qu'on note des fois donc avec le petit chapeau 3 puissance 5 comme ça, si on veut vraiment le noter en mode comme si c'est une opération. Comme une opération avec son symbole, eh bien c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et puis on pourrait continuer comme ça, c'est-à-dire qu'après on peut faire l'opération qui est après la puissance en répétant plusieurs fois une puissance, et puis après on pourrait faire l'opération qui sera encore après en répétant, etc. Et la question que je vous ai posée, c'est est-ce qu'on peut imaginer une opération qui vient avant? C'est-à-dire une opération dont l'addition serait la répétition. Une opération qui serait l'opération, si on dit que l'addition c'est l'opération numéro 1, celle-ci l'opération numéro 2, celle-ci la 3, c'est quoi l'opération numéro 0? Et alors j'ai été surpris parce que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Dès le soir où j'ai posté la vidéo, il y a tout de suite eu des gens qui m'ont envoyé des articles de blog qu'ils ont écrit sur ce sujet-là. J'ai eu des tas de commentaires, j'ai eu en quelques heures, ça a dépassé les 1000 commentaires sous cette vidéo, ce qui là pour le coup était aussi quelque chose d'assez remarquable. C'est-à-dire que j'ai jamais eu autant de commentaires sur une vidéo aussi rapidement. Donc voilà, ça vous a pas mal inspiré. Forcément, il y a eu pas mal de commentaires qui revenaient, qui étaient très intéressants. Et donc voilà, j'ai essayé de vous faire un petit résumé de toutes vos idées. Et puis peut-être qu'en ayant ce petit résumé de toutes vos idées, ça va vous donner d'autres idées. Et puis bien sûr, ça peut continuer. Alors je vois des gens qui continuent de répondre dans les commentaires. Et je vois des réponses notamment qui ont déjà été données dans les différents messages que j'ai pu recevoir aussi sur Twitter, sur Facebook. J'en ai reçu d'un peu partout. Alors il y a des gens qui sont partis sur ce sujet sur des choses un peu philosophiques. Alors c'était pas totalement le sujet, mais il y a des gens j'ai eu pas mal de réponses qui me disaient avant l'addition, c'est la définition des nombres, il faut commencer par définir les axiomes des mathématiques, les choses comme ça. Alors c'est pas totalement la réponse, enfin c'est même pas la réponse que c'est pas vraiment c'est la question qui était posée, puisque là en fait d'une certaine manière l'opération qui est là, c'est pas forcément une opération qu'on va définir avant l'addition. C'est-à-dire c'est une opération qui mathématiquement se trouve avant l'addition, mais c'est pas parce que mathématiquement elle se trouve avant l'addition qu'on va la définir forcément avant l'addition. Au contraire, l'addition, on la connaît tous, et cette opération-là, elle n'est pas encore définie. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui sont partis dans des considérations assez haute sur les fondements des mathématiques et ce genre de choses-là. Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont répondu. Alors, je crois que c'est la réponse qui est venue le plus souvent, c'est que l'opération qui vient avant l'addition, c'est l'incrémentation. Et alors ça, c'était une réponse qui est vraiment intéressante parce qu'effectivement, si on fait, hop, j'efface ça, si on fait, pour reprendre avec 3 et 5, 3 plus 5, eh bien 3 plus 5, on peut dire que c'est 3 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc d'une certaine manière, quand on fait plus 5, ça revient à répéter 5 fois plus 1. Donc effectivement, on sent bien que là, il y a quelque chose qui fait que quand on fait une addition, eh ben, on est en train de répéter quelque chose. Seulement, ça répond pas non plus totalement à la question, parce que ça, c'est pas totalement une opération. C'est-à-dire que l'incrémentation, qu'est-ce que c'est l'incrémentation? C'est une opération, c'est une fonction qui va prendre un nombre et va l'augmenter de 1. C'est-à-dire que si je pars de 18, je fais une incrémentation, j'arrive à 19. Puis je refais une incrémentation, j'arrive à 20. Mais là, ce qu'on veut, c'est une opération. Et donc une opération qui va prendre deux nombres. Alors, par exemple, il y a plein. Vous avez inventé plein de notations différentes pour cette opération. On peut la noter avec différents symboles. Il y en a qui l'ont noté avec des petits cœurs. J'ai trouvé ça très mignon, donc je vais faire comme ça. Par exemple, si on la note avec un petit cœur, comme ça. L'opération qui vient avant l'addition, bah, la question qu'on se pose, c'est combien ça fait, par exemple, 3 cœur, je dessine mal les cœurs, 3 cœur 8, combien ça fait ça? Et puis combien ça fait 1 cœur 2. Donc c'était ce genre de réponse, c'était ce genre de question à laquelle, qui pouvait être intéressant à se poser pour aller plus loin, c'est-à-dire que c'était intéressant de remarquer qu'effectivement, on itérait l'addition plus 1 quand on faisait une opération. Mais voilà, on pouvait se demander,
Oh, c'est gentil, tous les petits cœurs que vous me laissez dans les commentaires. C'était intéressant de se poser ce genre de questions. Combien ça fait, voilà, 3 cœurs 8, 1 cœur 2, etc. Et en particulier, est-ce qu'on peut écrire une table de cette opération? Donc, comme vous connaissez vos tables de multiplication, on peut faire un tableau comme ça, donc avec l'opération cœur. Et puis, on va avoir. Hop. Euh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je commence vraiment à fatiguer. 0, 1, 2, 3, 4, comme ceci. Donc voilà, là vous avez l'opération. Alors évidemment, on pourrait prolonger, on pourrait aller jusqu'à 10, mais on peut déjà se poser la question, voilà, pour aller jusqu'à 4, comme ceci. Et se demander voilà combien vaut cette opération, sachant combien valent chacune de ces opérations, sachant que ah, il y a une pastèque au milieu des cœurs. Et sachant que cette opération doit être l'opération qui vient avant l'addition. Alors pour ça, on peut commencer à réfléchir. Donc vous êtes pas mal à avoir trouver des réponses à ça. Et alors je passe de l'autre côté parce que je ne vais pas effacer ça pour qu'on puisse répondre à cette question. Pour qu'on puisse remplir le tableau après. Notamment, si par exemple on écrit 3. En fait, on a dit que cette opération, quand on la répétait, ça donnait une addition. Donc par exemple, si j'écris 3 cœur 3 cœur 3 cœur 3, eh bien ça, normalement, ça doit donner 3 plus 4. D'accord? Puisque j'ai des 3. Je répète une opération avec que des 3. Et il y en a combien des 3? Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça doit donner 3 plus 4. Et de la même manière, si je fais 3 cœur 3 cœur 3, ça doit donner 3 plus 3. Et si je fais 3 cœur 3, ça doit donner 3 plus 2. Puisqu'il y a deux fois le nombre 3. Et que voilà, et que c'est le nombre 3. Et là, quand on a fait ça. Eh ben, on a déjà une réponse, parce que 3 plus 2, donc ça fait 5. Donc on sait que 3 cœur 3, ça fait 5. Donc là, ici, on peut mettre 3 cœur 3, ça fait 5. C'est-à-dire que si on peut définir une telle opération, nécessairement, puisqu'on a envie que cette opération, en la répétant, ça donne l'addition, eh bien nécessairement, cette opération, eh bien, il faut que 3 cœur 3, ça donne 5. Et alors, on peut faire la même chose avec tous les nombres répétés. Donc par exemple, 0 cœur 0, mais pour la même raison, ça fait 0 plus 2. Donc ça fait 2. Et puis 1 cœur 1, ça fait 0, ça fait pardon, 1 plus 2. Donc ça fait 3. Pourquoi plus 2, hein, c'est toujours, hein, je répète, pourquoi plus 2? Parce qu'il y a 2 1 là, il y a 1 1 et 2 2 1. Donc voilà, on répète deux fois le nombre 1 dans cette opération. Et donc vous comprenez le principe? Quand on fait 0 cœur 0, ça donne 2. 1 cœur 1, ça donne 3. 3 cœur 3, ça donne 5. Donc à chaque fois, ça donne le nombre plus 2. Si je fais x cœur x, ça y est, je passe au x. Des fois, ça fait peur les x, mais il ne faut pas avoir peur des x. X cœur x, ça va donner x plus 2. Donc on peut remplir déjà toute la diagonale de notre tableau. Ici, on a un 2, ici, on a un 3, ici, on a un 4, ici, on a un 5, ici, on a un 6. Donc déjà, on commence à avancer un petit peu. Donc voilà le genre de choses qui ont été faites. Et puis alors après, pour compléter les autres cases, eh ben là on est obligé de faire certains choix, de se faire certains choix sur la façon dont fonctionne cette opération, parce que forcément les autres cases, elles vont pas pouvoir se comprendre comme des itérations, une répétition de la même du même nombre dans l'opération cœur. Mais par exemple, on peut reprendre ici le calcul qu'on avait là. On a ici 3 cœur 3, on a dit que ça faisait 5. Donc là, 3 cœur 3, on peut le remplacer par un 5. Et donc si on fait ça, on voit que 5 cœur 3, eh ben, ça fait 6 aussi. 5 cœur 3, ça fait 6. Et donc si on fait 5 cœur 3, ah zut, j'ai fait que 4 lignes, donc on va aller un peu plus loin. On va rajouter un 5, donc là il y a un 7. 5. Et donc 5 cœur 3, 5 cœur 3, ici, ça va faire
6 aussi. Comme ceci. Et vous voyez qu'en faisant ça, eh ben, on va pouvoir réfléchir un peu à comment fonctionne cette opération. Et puis en répétant ce genre de choses, en faisant pas mal d'essais, eh bien, on va pouvoir peu à peu remplir la grille et trouver différentes choses. Et donc, je vous passe les détails parce qu'une fois que vous avez compris ce principe, vous allez pouvoir comprendre comment on remplit la grille. Et une des façons de remplir cette grille qui va être cohérente, qui va marcher pour faire ça, c'est de dire qu'à chaque fois, quand on fait une opération avec deux nombres, eh bien, le résultat, ça va être le plus grand des deux nombres plus 1. Donc, par exemple, si on fait 3 cœur 1, eh bien, le plus grand des deux nombres, c'est 3. Et donc, 3 plus 1, ça donne 4. Donc à chaque fois, on va prendre le plus grand des deux nombres plus 1. Donc par exemple, ici, donc on va avoir 2. Ici, on va avoir, donc là, le plus grand nombre, c'est 2. Donc on va avoir 3 ici, 3 ici. Et là, on va avoir 4, 4. Et ici, on va avoir 5, 5, 5, 5. Et ici, on va avoir 6, 6, 6, 6. Et puis ici, on va avoir la même chose en symétrique. Donc on va avoir 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. 6. Donc là, on a rempli notre opération. Alors voilà, je vous ai passé un peu des détails pour comprendre exactement comment ça venait, mais on peut vérifier que ça marche bien. Si par exemple, on prend. Allez, on va prendre 2, cœur 2, cœur 2, cœur 2, cœur 2. Comme ceci. Ça, on sait que ça doit être égal à, enfin, au final, je vais mettre ça en bas, ça doit être égal à 2 plus, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 2 plus 5. Donc ça doit être égal à 7. Alors, ça doit être égal à 7, on va vérifier que ça marche bien avec la règle qu'on s'est donnée. Donc 2 cœur 2, on a déjà dit que ça valait 4, puisque quand on fait l'opération avec deux fois le même nombre, ça donne ce nombre-là plus 2. Donc le 2 cœur 2, on peut le remplacer par 4 ici. Donc ça fait 4. Cœur 2, cœur 2, cœur 2. Et ensuite, 4 plus 2. Eh bien, on a dit que quand on a deux nombres différents, le résultat, c'est le plus grand plus 1. Donc ça va donner le plus grand, c'est 4. Donc 5, 5, cœur 2, cœur 2. 5 cœur 2, le plus grand plus 1, c'est 5 plus 1, 6. 6 cœur 2. Et 6 cœur 2, eh bien, le plus grand plus 1, ça fait 7. Donc on trouve bien le bon résultat. Et vous pouvez essayer avec d'autres résultats. Vous allez voir que ça marche à tous les coups. Donc on va pouvoir, comme ceci, obtenir notre opération qui est l'itération, dont l'itération donne l'addition. Alors le dernier truc dont je voulais un peu vous parler à propos de cette opération, c'est que parmi vous, il y a eu aussi quelque chose qui est revenu assez souvent, c'est des gens qui ont démontré qu'une telle opération ne pouvait pas exister. Et c'est vachement intéressant parce que la démonstration est très astucieuse. Et elle est assez troublante en fait. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, j'ai un peu cligné des yeux. Je me suis dit, oh, ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison. Bon, bref, je vais vous la présenter. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils ont raison. Mais ça peut être contourné en se mettant à penser un peu différemment. Et en fait, le truc, c'était de dire, si on reprend notre schéma classique, 2 cœur 2, cœur 2, cœur 2, ça, on sait que ça donne 2 plus 4. D'accord? Par définition. Si on descend d'un cran, on sait que 2 cœur 2, cœur 2, ça donne 2 plus 3. Puisqu'il y a 3 fois le nombre 2. 2 cœur 2. Ça doit donner 2 plus 2. Et maintenant, imaginons qu'on descende encore d'un cran. C'est-à-dire que là, on enlève un 2, on enlève un 2, on enlève un 2. Et qu'on écrit juste 2. Et si là, on suit la logique, 2 plus 4, 2 plus 3, 2 plus 2, ça donne 2 plus 1. Donc là, on obtient 2 égale 3. Ce qui, vous l'admettrez, est quand même plutôt gênant. Donc là, on a ce truc. Et ça, c'est un raisonnement qui peut se faire aussi avec les autres opérations. C'est-à-dire que si on a. C'est un raisonnement qui, normalement, avec les autres opérations, marche. C'est-à-dire que si je fais la même chose avec les additions, par exemple, je sais que 2 plus 2 plus 2, ça donne 2 fois 3. 2 plus 2, hop, je sais pas si vous voyez, 2 plus 2, ça donne 2 fois 2. Et 2, tout simplement, ça donne 2 fois 1. D'accord? Si j'ai donc là, j'avais 3 fois le nombre 2, là j'avais 2 fois le nombre 2, et là j'ai une seule fois le nombre 2, ça donne 2 fois 1. Et donc, cette règle de calcul
pour le passage de l'addition à la multiplication, elle fonctionne. Il n'y a pas d'incohérence là-dedans. Or, quand on est là, eh ben, il semblerait que cette opération, quand on descend, eh bien, on ne peut pas considérer cette opération avec un seul nombre. Donc, c'est un peu troublant, c'est-à-dire d'une certaine manière, il faut s'interdire avec cette opération de faire certaines choses qu'on s'autorisait à faire avec les opérations classiques qu'on connaît déjà, puisque ça marche avec l'addition, avec la multiplication, avec la puissance, etc. Et en fait, d'une certaine manière, ça pousse à réfléchir sur ce qu'on fait, c'est-à-dire quand on fait une addition, hop, je vais passer de l'autre côté de l'ardoise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de notation, mais des fois, on utilise pour faire des additions la notation sigma comme ça. Donc c'est une autre façon de présenter l'addition. Si par exemple, au lieu d'écrire, si au lieu d'écrire, à la place d'écrire 2 plus 2 plus 2 plus 2, donc avec la répétition de 4 fois du nombre 2, eh bien je peux écrire somme de 2. Et alors, je vais faire un petit raccourci de notation, hein, désolé pour les puristes, mais on peut noter juste un 4 ici. Disons grosso modo, hein, ceux qui utilisent plus régulièrement ce symbole sigma-là, en général, c'est pas comme ça vraiment qu'on le note, mais c'est, voilà, j'abrège un peu les notations pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, cette notation-là, ben, ça veut juste dire qu'on va additionner 4 fois le nombre 2. Et si on fait 3 comme ça, le nombre 2, eh bien, ça revient à additionner 3 fois le nombre 2. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'addition, si on additionne une seule fois un nombre, donc par exemple une seule fois le nombre 2, eh bien, ça donne simplement ce nombre-là. Et si on additionne une seule fois le nombre 17, eh bien, ça donne simplement le nombre 17. Donc, une addition avec un seul nombre dedans, eh bien, en fait, ça donne ce nombre. D'accord, c'est ce qu'on obtenait ici, c'est-à-dire que quand je vous ai noté ça tout à l'heure. Est-ce que je suis en train de perdre tout le monde là? Oh, mais non, vous êtes encore 2300. Là, après toutes ces explications, je m'attendais à ce que vous soyez beaucoup moins. Là, quand on fait ici la descente des nombres petit à petit, eh bien, on voit que là, on a une addition avec 3, 2. Là, on a une addition avec 2, 2. Et là, on a une addition avec un seul 2 ici. Et en fait, là, d'une certaine manière, il y a quelque chose qu'on fait, c'est qu'en réalité, ici, quand on écrit ça, eh bien, on admet quelque chose, c'est on admet qu'une addition dans laquelle il n'y a qu'un seul nombre, eh bien, c'est ce nombre. Vous voyez le truc? Et en fait, ça, ce n'est pas si naturel que ça. Ça marche aussi pour la multiplication, c'est-à-dire qu'une multiplication dans laquelle il n'y a qu'un seul nombre, eh bien, le résultat, c'est ce nombre. Alors qu'en réalité, eh bien, cette opération avant l'addition, elle nous oblige à penser différemment. Elle nous oblige à penser que quand on fait cette opération avec un seul nombre à l'intérieur de l'opération, eh ben ça donne pas forcément ce nombre-là, mais ça peut donner ce nombre, en l'occurrence augmenté de 1. Et donc ici, là, le 2 qui est tout seul, on a supposé d'une certaine manière quand on a écrit ça que l'opération cœur avec un seul nombre, eh bien en fait ça donnait ce nombre automatiquement. En réalité, il faudrait plus le noter, hop, comme ça, avec un petit cœur devant, en disant que on est en train de faire une opération à un nombre. Et ce nombre-là, c'est le nombre 2, et que l'opération cœur, quand on l'utilise avec un seul nombre, eh bien, ça augmente ce nombre de 1. Et ça marche pareil, avec donc cœur de 3, ça donne 3 plus 1, et cœur de 5, ça donne 5 plus 1. Et donc voilà, donc si on utilise ce type de notation, eh bien, c'est beaucoup plus naturel de comprendre comment ça marche, c'est-à-dire qu'on va avoir, au lieu d'utiliser un sigma comme ceci pour faire la somme, on va utiliser un cœur comme ceci, et donc cœur 3, 8, ça va donner 8 plus 3. Si on remplace le 3 par un 2, ça donne 8 plus 2. Si on remplace le 2 par un 1, ça donne 8 plus 1. Mais là, en fait, l'étape qu'on n'a pas le droit de dire, c'est de dire que quand on a une opération cœur avec un seul nombre à l'intérieur, eh bien, c'est pas égal à ce nombre-là. Contrairement à l'addition, où quand on avait une addition avec un seul nombre à l'intérieur, eh bien, ça donnait ce nombre-là. Donc voilà comment, d'une certaine manière, on peut, en réfléchissant un peu plus loin, d'une certaine manière, enfin, contourner. Je ne sais pas si c'est contourner, en fait, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est assez profond, ça. C'est-à-dire que moi, avant de voir justement vos réponses, j'avais jamais réfléchi au fait que on admettait et que c'était totalement naturel, alors qu'en fait, il y a quand même un petit raisonnement derrière ça, le fait qu'une addition avec un seul nombre,
Eh bien, c'est ce nombre. Alors qu'en fait, ça me paraissait juste normal et totalement naturel, et pour moi, il n'y avait même pas de question. Alors qu'en fait, avec cette réflexion, ces réflexions que vous m'avez données, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, des choses qui me paraissaient totalement normales, totalement banales, et que j'aurais jamais remis en question, eh bien, ce n'était pas si naturel que ça, et qu'en fait, il y a un raisonnement, il y a quelque chose, il y a à un moment donné une convention, il y a quelque chose qu'on admet, quelque chose qu'on comprend quand on dit que voilà, une addition ou une multiplication à un seul nombre, c'est ce nombre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit débrief. Forcément, il y a eu plein d'idées, donc j'ai fait un gros résumé hein, de tout ce que vous m'avez dit. Il y a eu plein, plein, plein d'idées. N'hésitez pas à. Je pense que je vais vous mettre dans les commentaires de ce live quand je le remettrai en ligne. Je ne sais pas, comme je ne connais pas encore bien le fonctionnement des lives YouTube, je ne sais pas si il va automatiquement pouvoir se mettre en ligne à partir de YouTube ou s'il va falloir que je le recharge. Je vais voir ça en tout cas, mais je vous remettrai dans les commentaires du live. Les liens, notamment, je vous ai parlé de certains d'entre vous qui avaient écrit des articles de blog sur ce sujet-là. Donc, je vous remettrai tous ces liens pour que vous puissiez aller voir les uns les autres ce que vous avez fait sur ce sujet, parce que je ne peux évidemment pas vous parler de tout. Vous avez fait beaucoup trop de choses, mais c'est très bien. Moi, ça m'a fait plaisir. Parce que je dois vous dire que c'est un sujet aussi qui me stressait un peu. Je savais pas exactement si vous alliez répondre présent ou pas, si ça allait vous intéresser ou pas ce sujet. Et donc, je suis très content de voir que ça vous a motivé. Donc, j'en referai d'autres des sujets de recherche comme celui-là. Le seul truc que j'avais annoncé dans la vidéo pour lequel j'ai pas eu de retour, c'est je m'étais dit ce serait sympa s'il y avait des profs qui faisaient ce genre de choses avec leurs élèves. Peut-être le délai était un peu trop court pour que les profs aient le temps de mettre en place ces ateliers de recherche avec leurs élèves et pour que j'aie eu le temps d'avoir fait des retours. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait ou qui ne l'ont pas fait. Je ne sais pas, on verra si j'ai d'autres retours dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes prof et que vous avez réfléchi à cette question avec vos élèves ou que vous allez y réfléchir, parce que voilà, vous pouvez encore y réfléchir après, j'aimerais bien avoir vos retours parce que je trouve que ce serait très sympa de mettre en place ce genre d'atelier de réflexion vraiment en mode de recherche dans les classes parce que c'est sympa en classe d'apprendre des maths mais c'est aussi sympa d'en faire soi-même et à un moment donné de se retrouver face à un problème pour lequel personne n'a de réponse totalement fixe et dans lequel même le prof ne sait pas forcément où on va aller et sur lequel c'est un sujet assez nouveau et sur lequel il peut y avoir des surprises. Voilà, c'est je crois qu'on arrive à peu près au bout. Ah, le dernier truc qu'il faut voir avant la fin. Est-ce que vous avez trouvé la solution de l'énigme que je vous ai posée tout à l'heure? Je regarde dans les commentaires si vous me proposez des choses. J'en ai vu passer tout à l'heure hein, certains qui avaient la solution de l'énigme. 42 fois un nombre à trois chiffres égale un nombre à quatre chiffres. Et il faut que chaque chiffre entre 1 et 9 n'apparaisse qu'une seule fois. 42 fois 138, 138, 138, 138, oui, 138, 138, 138, 138, j'en vois beaucoup qui disent 138, donc je suppose que c'est ça, je vérifie quand même sur mon anti-sèche. 138, oui, 42 fois 138 est égal à 5796. Et on vérifie, il y a une fois le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, le nombre 5, le nombre 6, le nombre 7, le nombre 8 et le nombre 9. C'est gagné. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Il y a des gens qui veulent que j'explique pourquoi on ne peut pas diviser par 0. Je ferai ça une autre fois, certainement. Donc voilà, c'était la petite réponse à la petite énigme du jour. Comme c'était le premier live, c'était juste une petite énigme comme ça pour s'amuser. Mais peut-être que dans de prochains lives, j'envisagerai faire ça un peu plus sérieusement, avec peut-être des cadeaux à gagner ou des trucs comme ça pourrait être sympa. Genre des jeux de maths, des jeux de hex, des jeux de. J'ai des jeux là ici, des objets mathématiques, des trucs comme ça, des livres, le grand roman des maths. Toujours en librairie, pensez, c'est bientôt Noël. Donc voilà, je pense que ce sera un peu un fil rouge des lives quand je referai des lives, des petites énigmes que je vous pose. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi, voilà, dans les commentaires, dans le chat, etc., quelles sont les séquences que vous avez aimées dans ce live, celles que vous ont semblé moins nécessaires, que je pourrais enlever, que voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, de manière générale, c'est un peu nouveau pour moi, donc je teste encore des trucs et voilà, et j'espère qu'on en refera d'autres et que petit à petit. Et si vous avez des idées de choses nouvelles que je peux mettre aussi dans ce live, des choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais vous vous dites, tiens, ce serait bien de faire une rubrique sur ça, eh bien, proposez-le moi et puis je verrai ce que je ferai. Voilà, c'est l'heure de se quitter.
Bon, alors on a fait un live qui a duré 1h10. On a un petit peu dépassé le sablier, hein. On a fait juste 40 minutes de trop, mais c'est pas très grave. Je sais pas. Mais dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça. Est-ce que vous pensez que c'est... Bon, je sais pas si c'est trop... Bah, ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est qu'a priori, vous étiez content de rester jusqu'au bout, puisque personne ne vous force. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'ils se sont lassés en cours de route. Là, j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire, donc peut-être, mais j'aimerais bien essayer de faire en sorte que ce soit des formats un peu courts quand même dans l'absolu, de manière à pouvoir en faire plus régulièrement et puis que ce soit aussi plus, peut-être plus agréable à regarder en replay aussi, d'en avoir, voilà, plus court mais plus régulièrement, ce serait peut-être pas mal. Voilà, je vous dis au revoir, ciao. Micmat à 10 ans, c'est fini. Les 10 vidéos, c'était la dixième des 10 vidéos spéciales 10 ans de Micmat. J'espère que c'est reparti encore pour 10 ans. A priori, j'ai encore plein d'idées, donc ça devrait le faire. Et puis, tant que vous êtes là pour regarder ces vidéos, ça fait très plaisir de faire ça avec vous et de vous voir aussi enthousiaste à ces vidéos et de voir tous ces gens qui regardent des vidéos de maths. C'est quand même assez fabuleux. Donc, à bientôt, on continue. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Et là, maintenant, il faut que je comprenne comment ça s'arrête. Normalement, j'ai un bouton pour arrêter le... l'enregistrement. Voilà, là, ça va vraiment s'arrêter.